photo la plus likée qui inspire un défi et un employé qui détruit l'hôtel flambant neuf dans lequel il travaille. C'est la Minute Web de Pascal Melconian. À peine construit, déjà détruit. Un ouvrier a foncé avec une pelleteuse dans le hall d'un hôtel dont la construction venait tout juste de s'achever à Liverpool. La scène a été filmée par nombre de ses collègues, témoins de son accès de colère. Ce qui l'a mis en rogne, c'est de ne pas avoir été payé. La police recherche l'homme qui a pris la fuite après avoir totalement saccagé l'entrée du bâtiment. Sur la toile, son geste suscite critique, mais aussi compréhension de la part de travailleurs précaires. Plus de 5000 livres ont été récoltés en ligne pour payer ses frais de justice. Puisqu'un œuf est désormais la photo la plus likée sur Instagram avec 50 millions de mentions j'aime, pourquoi ne pas se mobiliser pour une cause plus importante? C'est l'idée derrière le défi Crâne d'œuf lancé par une Toulousaine atteinte d'un cancer. Sa publication a inspiré des dizaines de femmes qui luttent elles aussi contre la maladie et s'affichent à leur tour sur les réseaux sociaux. Autant de messages de soutien et de relais pour cette cagnotte en ligne dont les fonds seront reversés à la recherche contre le cancer. Empêtrée dans le Brexit, questionnée par les médias sur son plan B, Theresa May doit vivre des jours difficiles chez elle, au 10 Downing Street. Une chaîne YouTube a réalisé un montage humoristique où elle se lâche une fois la porte close. Il y a quelques semaines, c'est Andy Serkis, l'acteur qui interprète le personnage de Gollum, qui parodiait la première ministre britannique. Nous connaissons depuis ce matin les